C'est l'amour, ça. Hey, qu'est-ce que tu... Oulala, qu'est-ce que vous faites? Non, mais je... Aïe, tu me retires l'oreille. J'espère que vous allez bien. Elle m'appelle Chouchou qui dort, ma pampa Latina. Elle est fatiguée en ce moment. Et on est tous fatigués. On chope froid. Moi, j'ai mal à la gorge. J'ai mal au ventre. C'est pas le corona, mais j'ai dû choper une petite trachéite ou une bêtise comme ça. Qu'est-ce que je voulais te dire, mon biscotte, et si je parlais à toi? Alors, en fait, je... Donc, je voulais vous dire, puisque Biscotte ne m'écoute pas, n'est-ce pas, Biscotte? Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 20h. Pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui regardent le foot. Donc, Égypte-Sénégal. Et donc, du coup, ce soir, on va sortir avec Greg la vidéo L'Aziz Maziz sur TV Tazi sur YouTube à 18h. Essayez de regarder, vous allez vraiment rigoler. C'est drôle. Oh, on est bête. Ah, qu'est-ce qu'on est bête. Et sinon, voilà, bon dimanche à tous. Profitez bien de la famille, des amis. Profitez bien de la vie, c'est très important. Je vous embrasse très fort. Summer breaks, winter storms. Test. Voilà. Fais-moi rêver. J'espère que je l'ai pas. Bonjour. Non, pas bonjour. Le règle. Ah, tu es malade. Tu es malade. Ah, tu es fou. Ah, mais tu es fou. Quoi? Je te dis l'heure et... Bonjour. Bonjour. Malade. Comment bonjour? Vas-y, vas-y. Vous la soufflez, c'est de la mobilité. Donc faites-le correctement. On y va, go. So shape avec Chibouen shape. HMOS, voilà, HMOS Sport. Pour mon petit sauchet. Magnifico, Pepeto. Aujourd'hui, c'est journée à la maison. J'ai beaucoup de travail. J'ai sorti la. Et de quoi me faire un petit thé matcha. Trop bon. Avec du lait que je vais transvider après dans un verre. Et voilà, je vais bosser. Déjà d'abord que je nettoie mon écran. Puis qu'en ce moment, je bosse sur la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, ça me demande aussi un petit peu de temps. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est une journée vraiment où on va rester un maximum dans la maison. Là, on a trié plein de trucs ce matin, donc on a bien rangé. Et ce soir, on va aller au bowling. Du coup, trop cool. Matcha et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être ne pas connaître. Alors en fait je vous explique, le thé matcha c'est vraiment, enfin j'appelle ça le thé matcha parce qu'en fait c'est l'alternative du café. Donc c'est plein de matcha, de guarana, de thé vert, ça va apporter de l'énergie, donc c'est vraiment l'alternative qui est beaucoup mieux puisque c'est ultra naturel et ça va aussi éviter de jaunir les dents et c'est pour moi bien meilleur. Genre, c'est trop bon. Pour de bon, c'est trop bon. Les amis, je vous explique.
aujourd'hui, il faut que je vous parle de quelque chose. Et ce quelque chose, en gros, c'est que j'ai un nouveau projet. Mais c'est pas un gros projet, voilà. C'est quelque chose d'assez accessible, de très accessible, qui va pas non plus surprendre beaucoup de monde. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de beaucoup me concentrer parce que ça va intéresser beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui me suivent. Et pour ça, je vais avoir besoin et je cherche un genre de community manager. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Une personne qui va s'occuper de mettre en avant des réseaux sociaux, de s'occuper de l'esthétique du réseau social sur lequel je vais devoir travailler, etc. Et je ne sais pas comment on appelle ça. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui me comprennent et qui s'y connaissent, envoyez-moi des messages parce que du coup, je ne sais pas trop comment exprimer tout ça. Merci, ça a l'air bon. Oh là là. Tu cuisines bien, toi ? Je n'ai pas fait grand-chose, là. Regardez les amis, je vous montre ça. Je viens de regarder la vidéo de la CAN. Ce sera la finale de la CAN avec Greg. Pff, on est vraiment des vrais fous. Ça fait du bien de rigoler un petit peu. Même moi, j'ai rigolé après mes conneries. C'est bon signe. Voilà, 11 minutes d'humour. 100% fun. Et voilà, hein. N'hésitez pas à aller checker ça. Je vous jure que ça détend. Pendant 10 minutes, vous êtes obligé de regarder. Ça passe trop vite les 10 minutes. 11 minutes. Je vous encourage à les regarder, vous allez bien vous marrer, ça fait passer le temps, en plus sachant que ce soir est la finale de la CAN, Égypte contre Sénégal. Ben, j'ai retrouvé mon bro d'amour. Qu'est-ce qu'on va faire là? Hein, qu'est-ce qu'on va faire là? Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Il faut leur dire aussi, bébé, il y a la Zez et Maziz. Alors d'abord la Zez et Maziz à voir sur la chaîne YouTube. On a tellement... On a tellement de trucs là, qu'on ne sait plus par quoi commencer. On va s'ouvrir ce... Et là, les bébés, oh. Ce fichier. Petite session là. Attends, on va le trouver. Il est là. Allez, il est là. Ouvre-moi-le. Et Paga, succulent. Voilà. Succulent. Ouais, tu peux. Ça charge. Tu peux rester même dessus. Tu ouvres la petite session là. Tu vas voir, tu peux rester. Hop. Voilà, papa. Et là, tu peux même se mettre là et je peux te faire même. Allez. Et la cabine, elle est là, le chai. Sœur, petit Juju. Coucou toi. Youtubeuse, photo, londonienne. Pas londonienne. Ta. Ah ouais. Tu es quelqu'un, bébé, ouais. Bah, aussi bientôt, hein. Félicitations, Inch'Allah. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous on est restés à la maison, on n'a pas bougé avec ma demi-sœur et Paga. On s'est fait un petit repas à midi tous les trois. Avec ma demi-sœur, on est restés devant la télé toute l'après-midi. On a regardé un film sur Netflix, donc je vous ai parlé. Comment il s'appelait ? À travers la fenêtre.
à travers ma fenêtre ou à travers la fenêtre, bref. Et c'était trop cool, c'est une histoire d'amour avec deux jeunes et tout, qui sont dans le même lycée, je crois. Et ça ressemble un petit peu à After, mais perso, je préfère After quand même. Parce que c'est vrai que l'histoire au début, je comprenais pas trop et tout. Mais sinon, c'était cool. Et ensuite, on n'a pas fait grand-chose, on est resté à la maison. Et puis voilà, et puis ce soir, on va aller au bowling. Là, il y a Alex, Greg qui sont à la maison. Ils sont en bas dans le studio d'enregistrement avec Paga en train de faire de la musique. Donc nous, on est entre filles. Hey. Donc voilà, on reste entre filles. Je vous ai fait mon petit déballage de matelas que j'ai reçu de chez Emma. Mais franchement, ce matelas, il est genre oufissime. Je l'ai commandé parce que c'est vrai qu'on reçoit du monde à la maison et on n'a pas forcément, à part les deux chambres, on a toujours plus de monde que de chambres. À Noël, c'était une galère. À l'anniversaire de Paga, c'était une galère. On était nombreux à la maison et j'avais pas de quoi permettre aux invités supplémentaires au-dessus des chambres de pouvoir bien dormir. Et là, j'ai trouvé ce matelas. Genre, il est oufissime. Ils sont tous dotés de ErgoCell. Et en fait, c'est ce qui permet d'adapter votre position, donc l'air va l'air elle se compresse pas, c'est-à-dire que ça ne reste pas figé, le matelas va vraiment s'adapter à la forme de votre corps, à comment est-ce que vous êtes installé dans le matelas. Genre là je suis ancrée dans le matelas et genre je suis trop à l'aise dedans, c'est tout mou, c'est genre ouf. En plus ils ont été deux fois élus meilleur matelas de l'année, genre ils ont été un maximum vendus. C'est vraiment cette fois-ci chauffé pour aller au bowling. Là, c'est plus de la blague. Là, on parle plus pour rien. Là, on y va au bowling. Là, on est sur la route, on peut plus faire demi-tour. On est en train de mettre l'essence parce qu'il me restait 1% d'essence. Donc, ça veut dire que si on mettait pas l'essence, on tombait littéralement en panne. Et puis voilà, let's go au bowling. J'espère qu'il y aura de la nourriture là-bas pour qu'on puisse manger, parce que sinon ça serait embêtant, on n'a pas encore mangé. Et voilà, petite soirée tranquille tous les trois avec ma demi-sœur et mon chéri, ça va être trop cool. Je vous ferai une petite story au bowling, ça va être très drôle je pense, parce que je suis très nulle. Je sais pas toi, c'était pas ah bah ça va, t'es fort bébé, t'es fort au bowling bébé. Quoi? T'es fort au bowling? Ouais, est-ce que tu l'as déjà vu ça? Il y a quelqu'un qui nous met les seins. T'as jamais vu celle-là? Viens, je te montre. Non. Viens, je te montre. Non, je peux pas. Tu fais comment? J'ai calé le bouchon en dessous le truc, ça met les seins seuls, et dès que ça clique, c'est bon. Ouais, je suis un monstre, boulet. Comment elle est belle, bébé? Tarpin belle. Vas-y. Ouais. Très bien, bébé. Bravo. Une tête méchante, une tête de triste. Ah bon? Ok, à moi. Là, c'est quoi? Comme tu es belle. Voilà, dégaine. Allez, bébé. Voilà, maman. Là, comme elle est nulle. Oh, oh. Treat me bad.
take my heart and leave me sad.